Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la miséricorde et la paix soient sur notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et tous ses compagnons. Chers frères et sœurs, nous vivons en cette période honorable des jours et des nuits de générosité, une période qu'Allah a distinguée du reste des jours et des nuits. Allah a distingué cette période de l'année par de nombreuses vertus et bénédictions. Parmi les nuits bénies de ce mois de Ramadan, il y a la nuit de Dista, qui a une grande valeur. Parmi les valeurs, c'est que le Saint Coran, a été révélé dans ce mois. Allah, exalté soit-il, a dit « En vérité, nous avons révélé le Coran dans la nuit de Dista. » Cette nuit est meilleure que 1000 mois. Allah, exalté soit-il, a dit à ce propos « La nuit de Dista vaut plus que 1000 mois réunis. » Les anges et l'esprit descendent durant de 7 mois, 7 nuits aussi, comme a été indiqué dans le Saint-Coran. Mes frères et sœurs, il existe plusieurs signes de Laylat al-Qadr ou la nuit de Dista. C'est une nuit qui n'est ni chaude ni froide et qui est lumineuse. Le soleil se lève le matin de celle-ci blanc et sans rayon. Mes frères et sœurs, plusieurs actes d'adoration se recommandent dans cette nuit de Baraka. Premièrement, prier la nuit de Dista avec la foi. Recherchons la récompense de Dieu. Allah, exalté soit-il, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, celui qui prie la nuit de Dista, recherchant la récompense d'Allah, tous ses péchés passés seront effacés et pardonnés. Deuxièmement, l'invocation. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit « Ô messager d'Allah, si je tombe sur la nuit de Dista, comment invoquer durant celle-ci » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dis, ô Allah, tu es celui qui pardonne et tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. » Qu'Allah nous pardonne et nous comble par sa grande miséricorde. Ya Allah, accorde-nous une bonne santé et aide-nous à accomplir de bonnes œuvres. Qu'Allah accepte de nous nos prières, nos jeûnes, nos tarawih, nos qiyams avec sa grande miséricorde. Allahumma amin. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.